Ici, Bukavu, pour la deuxième journée de l'attaque de l'armée nationale congolaise. Nous sommes avec un groupe qui est pratiquement coincé sous le tir des mitrailleuses qui se trouvent derrière le virage. Vous entendez certainement les balles siffler. Il sera très difficile de passer. Le colonel Schramm est passé par-dessus. Et c'est lui que vous entendez tirer plus à gauche, dans une position qui est presque tombée, la position de Baka. Ce matin, il y a eu deux Européens tués et plusieurs Katangais blessés. Nous allons voir, nous allons redescendre sur Bukavu pour voir comment va se poursuivre cette journée. Il est presque 8 heures. Et un déjà jusque maintenant, depuis le début de Bukavu, il y en a eu 4 endommagés. 4 endommagés. Ils en ont remis tout. Réoccuper une base en arrière. Ce n'est pas si grave que ça. Je reprendrai une chose. Je referai une contre-attaque demain que j'ai du renfort. Le renfort reviendra, je suppose, j'espère, cette nuit ou demain matin. Oui. La situation n'est pas désespérée, donc. Ah, pour moi, elle n'est pas désespérée. Non. Vous avez perdu des amis, je crois, dans cette. Si j'ai perdu 4 à 5 comme aujourd'hui. Les blessés, j'en ai une dizaine. Je crois qu'il y en a eu plus. Hein. Ah, l'attaque était très dure aujourd'hui, on était avec vous derrière, c'était très dur. On a eu la chance pour nous quand même, même si on a perdu la chose, la position, mais... C'est pas vraiment un là-haut. C'est un mais je compte quand même la reprendre de ce jeu. Comptez la reprendre.